cumule mobilité, vitesse et puissance de feu. On est quand même sur de la chenille, tout terrain, littéralement tout terrain, et un armement qui est important, un canon de 120, c'est énorme. Donc on peut vraiment tout faire. Et malgré le bruit que ça fait, y compris en roulant, on ne sait jamais où est un char. Vous avez le pilote, sur votre gauche, donc à droite du char, le tireur, et sur votre droite, donc à gauche du char, dans la tourelle, le chef de char. Si on est en situation, on va dire, de combat haute intensité, où il y a vraiment un gros danger, en fait on dort dans le char, on dort à son poste.